Everyone calls me Coco. I'm mad for Chanel. Je suis pas venu à Saint-Tropez. Oui, mais vous êtes comme la légende de Saint-Tropez, vous ne mourrez jamais. La jeunesse, c'est un bail de courte durée non renouvelable. J'aime beaucoup danser, mais plus que vous êtes là. Ah, c'est gentil. Hein. Party ready, and you're gonna come. Of course we're gonna come. Don't be too long. Come and enjoy my wonderful villa. Elle a toujours été un peu curieuse avec les amitiés féminines, non? Je pense que c'est bien dans la vie d'être curieux. Oui. Bon, en fait, vous me demandiez si j'aimais danser, mais non, j'aime plus danser. Maintenant, j'aime. On devient un peu voyeur, quoi, avec l'âge, bon, enfin.
Mais où elle est cette voiture? Ah, la voilà. Allez, viens. Tu sais quoi? Je préfère marcher. Viens. Les femmes. Regardez, on dirait Alain Delon et Maurice René dans... Je me souviens plus du film. Mais non, c'est Baptiste, on vient de le rencontrer au VIP. Tu fais quoi, Baptiste? Je me prépare pour aller à la soirée 70s, au Papagayo. Avant de passer à la soirée de Pamela. Nous, on n'y va pas, hein. Il y en a marre des 70s. Un autographe, s'il vous plaît? I'm sorry, who do you think I am? Jane Birkin. Ah, je suis très flattée, madame. Mais vous retardez. Ah bah tiens, ça c'est le book et vos amis qui se prennent pour Bianca et Mick Jagger. On se voit chez Pamela. La soirée 70, elle se court complètement. Hein. Bardo, c'est 20 ans plus tôt. Elle est folle. C'est une folle. Mais elle est quand même assez géniale, hein. J'ai besoin de me changer, il faut que je retourne à l'hôtel avant d'aller à la soirée de Pamela. Le jour se lève. Mais on est où là? J'ai fait un détour parce que je voudrais retrouver la maison de Colette. Et c'est qui, Colette? Tiens. Une chanteuse? J'ai l'impression de la voir. C'est incroyable. Moi, je vois rien du tout, hein. Colette, c'était la femme écrivain la plus importante en France. Voilà. Je suis pas française, moi. Plus que jour quand même, est-ce que ça vaut la peine d'aller chez Pamela? Ça vaut le coup?